Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour l'unboxing de mon jeu Sparking Zero. Bon, j'ai pris l'édition collector. Oui, je voulais soutenir les créateurs pour avoir, en gros, créé un jeu qu'on attendait depuis 6 longtemps. On l'attendait depuis Budokai Tenkaichi 3, voire Raging Blast 2. Hein. J'avais kiffé Raging Blast 2, je sais qu'il avait eu beaucoup de critiques, mais en même temps c'est qu'on avait Budokai Tenkaichi 3 avant. Mais Raging Blast 1 et 2 étaient vraiment des bons jeux, moi, personnellement. Après, à vous de me dire, hein, mais dites-moi dans les commentaires si vous aviez kiffé ce jeu ou pas. En tout cas, pour soutenir en fait ce projet qui est un projet qui est excellent, avec autant de travail dessus, et qu'on attendait depuis si longtemps, moi j'ai pris le collector direct pour avoir l'artbook, hein. Je voulais la petite boîte métallique, hein, personnellement. Mais surtout, du coup, pour soutenir. Après, la figurine, on a vu qu'il y avait eu beaucoup de critiques sur la figurine. On a vu des visuels japonais qui étaient pas fou, sachant que le Goku, je crois que c'est une figurine qui avait déjà été faite, mais du coup qu'ils ont refait là, mais du coup peut-être en moins bien. En tout cas, on va voir tout ça juste après. Donc je vais chercher mes colis, parce que j'en ai un deuxième, donc je commencerai par celui-là, histoire de vous laisser un peu de suspense, et ensuite on passera sur le deuxième colis. Sur ce, à tout de suite. Bon, j'ai mes deux colis, mais bon, le colis là, je l'ai déballé, parce que c'était assez petit, donc je sais pas si vous voyez, c'est une petite boîte en fait de Kingdom Hearts, une boîte à musique. Que j'ai reçu, que j'avais commandé, je crois que c'est au Canada que je l'avais commandé, et c'est fait main, c'est fait du coup avec du bois, c'est fait en brûlant et en sculptant, et c'est hyper bien. Et en fait, on l'allume, ça se recharge en USB-C, vous voyez bien, voilà, et ça se recharge en USB-C, on l'allume, et en fait, quand j'appuie sur une face, ça va venir lancer une musique du jeu. Et c'est excellent. Moi qui adore les musiques de Kingdom Hearts, hein, franchement, si vous avez jamais joué au jeu, les jeux Kingdom Hearts, les musiques, c'est incroyable. Et chaque phase, il y a une musique. Donc là, la musique quand on est dans la petite ville, là. La musique quand on est un peu en combat. Et là, la musique, la magique, magnifique musique de l'écran titre. Incroyable. J'arrête de parler un peu. Avec le bruit des vagues et tout, enfin bref, vous avez compris le principe, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour le déballage de ce truc. Je pensais que le colis serait un peu plus grand, un peu plus lourd, mais bon, voilà, on a eu ça. Et du coup, c'est le petit collector de Sparking Zero, sans plus attendre, j'enlève le tapis qui est juste là, et puis on se retrouve pour le déballage. Bon, du coup, j'ai enlevé le tapis de souris, le micro, je l'ai mis un peu loin, donc j'espère que le son sera quand même bon pour vous. Voici notre petit colis là, donc on aura aussi du coup la cam sur le côté. Salut les gens. Bon, en même temps que je déballe, je vous explique un peu la galère avec ce colis. Normalement, je m'attendais avec un collecteur à recevoir le colis en Early Access pour pouvoir jouer au jeu en Early Access. Hein, normal quand on met de la thune dans le jeu. Finalement, je devais le recevoir à la sortie. Que le livreur a eu la flemme, j'en ai parlé vite fait dans un TikTok, hein. Il avait carrément la flemme de me livrer, sauf que j'étais à l'Animasia pendant tout le week-end, une convention à Bordeaux, et j'ai pas pu avoir mon colis jusqu'à ce lundi. J'avais un peu le seum, hein, c'est-à-dire que tu commandes pour avoir 3 jours en avance, et finalement tu l'as 3 jours en retard. Mais au moins, Bandai m'avait envoyé un code pour l'avoir en démat. Le 11, donc le moment où je devais recevoir le colis, ce qui fait que j'ai pu le tester quand même en live, même si le son était coupé, j'avais un peu le seum, si vous voulez le voir en rediff et tout, mais j'ai pu le tester et le jeu est incroyable. Il y a juste les menus à la rigueur que je critique, et l'intro où ils ont pas fait, c'est une musique de Dragon Ball Super, donc ça colle pas trop, je trouve, sur l'intro, c'est un peu dommage, contrairement aux anciens, mais sinon, pour le reste, de ce que j'ai testé pour le moment, le jeu, il est insane, hein, franchement, il n'y a pas à dire là-dessus. Et du coup, vu que j'ai reçu un code en démat, j'espère vraiment, ils m'ont quand même mis le CD dedans. Oh, par contre, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Même dans l'intérieur de la boîte, vu que c'est Bandai, on a le logo de Sparking Zero. Incroyable. Ouais, je le mets dans le sens simple pour que vous n'ayez pas mon code, même si je pourrais le flouter. Alors, on a d'abord un premier truc par-dessus, comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il y en a dedans? Alors, on a du coup un petit truc comme ça. Et dedans, du coup, j'ai une petite pochette là.
Je ne sais pas à quoi sert cette petite pochette. Donc attendez, regardez la petite pochette. Ah, et du coup, c'est la petite pochette avec les différents petits stickers des persos. Donc on a Vegeto, on a Gohan et CJ2, on a Boo, hop, on a Baby 2, on a Goku Super Saiyan Blue et on a Broly 2 version DBZ. Franchement, pas mal du tout. Est-ce qu'il y a d'autres petits stickers? C'est déjà beaucoup et franchement, pas mal du tout, pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, du coup, on a les fameuses cartes à collectionner. Donc les cartes Dragon Ball, je les ouvrirai tout à l'heure. Et le truc principal pour lequel j'ai acheté collector, c'est la boîte métallisée. Donc voilà, boîte métallisée avec Vegeta d'un côté et Goku de l'autre. Je suis très content qu'ils aient mis Vegeta avec Sparking. Je sais pas pourquoi, j'ai une petite préférence pour Vegeta en ce moment. Après, la boîte métallique est sympa en soi. Mais en vrai, je m'attendais à mieux. Je trouve que les images, elles sont pas non plus incroyables. Donc là, pas de jeu. On espère qu'il y a l'autre boîte, du coup, et que ce sera dans l'autre boîte. Mais la boîte est sympa, mais pas incroyable. Hein, comparé aux autres boîtes métalliques que je peux avoir, hein. Celle-là, elle est OK. Elle est cool, mais pas incroyable. Maintenant, on passe du coup au gros du collecteur. Donc, le gros de boîte. Parking Zero, là là là, avec le gros Broly DBS sur le côté, incroyable. Ah bah là, il n'y a pas un petit gorille qui, moi en live, du coup, je l'ai fait en une fois, j'ai pas compris tous ceux qui ont racheté dessus. Mais il y a Ozaro Gorille, bah après, peut-être parce que j'ai fait le What If et qu'il fallait peut-être pas faire le What If pour que ce soit plus dur. Mais voilà, il y a celui qui a terrorisé, je sais pas combien de personnes ici. Derrière, on a des explications et tout, et de ce côté-là, je vais pas montrer, mais il y a Migaté. Ils ont mis Broly et Migaté sur les deux, enfin hein, Blanco. Et de toute façon, c'est avec eux que j'ai fait la promo. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que je vous ferai pas un petit peu de suspense avant d'ouvrir ça en ouvrant notre petite carte? En vrai, vas-y, hein, moi j'ai envie d'ouvrir la petite carte. Alors, du coup, en petite carte, donc on a. Oh, elle est magnifique, hein, la carte, je sais pas si vous la verrez bien. Elle est splendide. Avec les du coup Jiren, on a Jiren, on a Vegeta et vous, on a Maguet, enfin on a Blanco, on a Freezer, et Freezer forme finale. Du coup, avant la fin du temps de pouvoir, on a Broly DBS et on a, franchement, magnifique la carte. La carte suivante, l'arrière de la carte, vous voyez, c'est en blanc comme ça, là. Et avec les Dragon Ball, du coup. Et il y a d'autres cartes, du coup, c'est en noir comme ça. Et ça, je pense que c'est pour les cartes personnages. Donc là, moi, j'ai eu la carte Vegeta Evo Final Flash. Incroyable. Franchement, les illustrations, là, avec les petits effets brillants et tout, elles sont magnifiques. J'ai du coup eu... notre petit Mirai Trunks DBS forme Ikari avec son épée là. J'ai eu Blanco, magnifique. Je sais pas si tout le monde a les mêmes cartes. En tout cas, elles sont magnifiques. J'adore. Et ça, du coup, Dragon Ball Sparty Collector Edition. Du coup, ça c'est pour expliquer un peu comment ça marche, le système de cartes et tout. Parce que c'est des cartes. J'imagine on a sûrement tous les mêmes cartes et c'est des cartes spécifiques au collector. Et franchement, elles sont. Hyper belle, magnifique. Ça va aller dans la collection avec les cartes Yu-Gi-Oh là-bas. Les cartes Pokémon, je les ai pas encore ramenées. Je les ai pas encore ici. Mais je pourrais les mettre dans la collection aussi. Et maintenant, on va passer au gros du truc. Donc, hop, je vais dégager le carton là. Alors, moi qui vais faire le montage, si tu peux me mettre une. Dès que je commencerai à ouvrir, voilà. Si tu peux me mettre une petite musique d'ouverture de code de Zelda. Ouais, c'est pas mon petit kiff, c'est moi qui fais le montage, mais bon. Donc on a notre petit jeu, Parking Zero. Donc voilà, il y a encore le film, donc vous voyez peut-être pas bien. Mais j'imagine que si on l'a en plastifié et tout ça, c'est qu'on a le CD dedans. Ça me paraît un peu con qu'ils mettent pas le CD, sachant qu'ils ont plastifié et qu'en fait, il sort comme ça dans les grandes surfaces et tout. Et en vrai, du coup, le fait qu'on l'ait comme ça, ça fait que je l'ai en démat et en matérialisé. Donc c'est comme si j'avais deux fois le jeu, ce qui fait que ça m'a permis de le filer à Akira, hein, vous savez, mon plus... Day viewer, donc je vais pouvoir jouer avec lui avec. On y a déjà joué en live avec lui et tout. Ouais, ça nous a permis de kiffer ensemble, mais en fait c'est hyper cool. Moment verdict, est-ce que le jeu est dedans? Attention. Eh oui, mesdames et messieurs, il y a le jeu. Moi j'ai des petits codes sur les côtés. Pour avoir du coup des
des trucs sur le Bandai Store. J'imagine que le deuxième code, c'est pour avoir les persos, les 7 persos supplémentaires là. Donc Broly DBS avec toutes ses transformations, Gogeta avec toutes ses transformations. Et c'est Goku Daima en plus. Donc on a un truc en plus, c'est le bookmark. Et ok, donc un bookmark comme c'est dit dessus. Donc c'est une petite marque-page métamélisée du coup avec les deux, comme je vous ai dit, hein, Broly et Blanco. Après, un marque-page, c'est très sympa hein, qu'on l'ait, hein, mais qui utilise un marque-page métallisé? Pas grand monde. Mais pour une collection, c'est vraiment bien. Mais du coup, le dernier truc qui nous intéresse et qu'on attendait depuis tout à l'heure, c'est la figurine. Est-ce qu'elle est aussi dégueulasse que ce qu'on a vu dans les trucs au Japon ou pas? On va très vite le savoir. À voir, parce que quand il l'a reçu au Japon, ça se trouve, il l'avait reçu avant que ce soit la version finale de la figurine. Et c'est des leaks. Je déteste les leakers, hein, désolé. Mais donc peut-être que la figurine, elle est pas aussi dégueulasse que lui. À voir. Après, je m'attends pas à grand chose non plus. Elle avait pas l'air non plus incroyable, mais bon, à voir. Donc, j'ai fini à déballer. Ça se présente de cette façon. Hein. C'est Goku face à Goku, du coup, Migaté face à Broly. On a un petit visuel sur le Migaté de ce côté-là. Et un petit visuel, du coup, agrandi sur le Broly de ce côté-là. Là, on a le Sparking Zero. Et derrière, on a des détails de la figurine. Donc, on va arrêter de blablater. Hein. On va l'ouvrir. Il y a du scotch, on recommence. Alors c'est bon. Alors notre petite figurine. Oh les Broly, les Goku, je m'attendais à ce qu'ils soient plus grands. Oh, c'est pas grave, hein, le fait qu'ils soient trop taille, ça me dérange pas. Parce que comme vous voyez dans mon décor et tout ça, j'ai plus de place. Donc en vrai ça m'arrange même limite un peu. Du coup si c'est plus petit, j'espère que les détails seront beaux quoi. En tout cas j'espère que vous, le jeu vous a plu hein, et vous plaît. Moi je pense qu'on va faire pas mal de streams, hein. N'hésitez pas à voir sur le Twitch, on va faire pas mal de streams dessus. Déjà voilà, le jeu je pense que je vais le spammer pendant un bon petit moment. Même si je vais faire en sorte quand même de garder un minimum de vie sociale, ce serait bien. Mais on est parti pour la petite figurine. Au moins elle est bien emballée. Si jamais tu veux la garder, la transporter et tout, c'est cool. Donc la figurine elle se présente en 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Donc on a des pièces de décor comme ça. On a différentes, donc celle-là. On a une pièce du coup décor avec écrit. Je sais pas si on voit bien. Mais là, écrit du coup Sparking Zero. En vrai, très sympa. Dragon Ball Sparking Zero. En fait, les décors, je suis plutôt content. Même s'il manque à la rigueur un peu d'ombrage ou ce genre de choses, les décors sont vraiment ok. Hein. Franchement, ils sont vraiment cool à voir avec les figurines. Donc les figurines, en vrai, elles sont sympas. Pareil, je trouve que ça manque un peu d'ombrage. Je vous montre Migaté par exemple. Donc ça manque peut-être un peu d'ombrage. Hein. Mais la tête est pas non plus incroyable. Je sais pas si vous voyez bien la tête. De toute façon, je vous mettrai des photos hein, après, enfin des vidéos avec une vue de plus près, juste des figurines pour que vous voyez bien. Et pareil, Broly, ça manque d'ombrage, les muscles qui font un peu trop. C'est juste des muscles panda quoi. Ou même sa fourrure ici. Mais en vrai, la tête est mieux faite. La tête est mieux faite. On le voit pas trop. Mais en vrai, voilà, la figurine n'est pas incroyable, mais elle est vraiment beaucoup mieux que ce qu'on a vu de leak sur les trucs. Bon, on va du coup l'installer. Donc Broly s'installe là. Voilà, je l'ai installé sur ce côté-là. Et le Goku doit s'installer du coup ici. Voilà. Qui fait qu'on se retrouve du coup avec ça qu'on peut mettre devant. Et du coup, les deux figurines avec Goku en haut et Broly en bas. En vrai, Le point positif, je déteste les leakers, je préfère découvrir les trucs le jour même et je trouve que ça nique en fait tout le côté com que peuvent faire les trucs. Hein. Exemple tout con, quand il y a eu le leak en gros des persos et que à la place du fait qu'on ait 160 des boîtes de persos, on en avait 182, ça m'a un peu fait chier parce qu'en vrai c'est une com de fou de faire ça en fait. Déjà 160 persos et des boîtes, c'est le record fait pour un jeu de combat par Budokai Tenkaichi à l'époque, et c'est incroyable. Alors 182, c'était inattendu, hein, dans le roster de base, quoi. Après, le point positif du coup de bas des leaks, là, c'est qu'on avait vu un Goku et un Broly vraiment dégueulasse,
Et au final, la qualité est un peu supérieure à ce qu'on a vu. On a vu, donc franchement, plutôt cool, plutôt sympa. Et du coup, on va pouvoir les mettre dans le décor. Je pense que l'eau, je vais le mettre au bas. Et je pense qu'on va le mettre devant la magnifique figurine de Jump Force. Parce que je suis désolé, le collecteur de Jump Force, la figurine, elle est incroyable. Hein. Tu mets les trois gouttes dessus. Il manque à la rigueur Ichigo, mais sinon, le reste, c'est incroyable. Pour du coup faire un récap, je vais vous mettre en photo. Donc là, on a la figurine de Sparking Zero. On a du coup notre petit marque-page. On a notre artbook du coup métallisé qui est sympa mais pas incroyable. Enfin voilà, c'est mon avis. Hein. On a notre jeu du coup avec le CD. On a nos petits codes que je vous montre pas, vous savez très bien pourquoi. Notre petites cartes qui sont magnifiques elles par contre. Franchement, ils ont fait des visuels qui sont vraiment top. Et les petits stickers. Je savais pas qu'on avait des petits stickers, mais en vrai. Bon, c'est sympa d'avoir des petits stickers comme ça en plus. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez spammé Sparking Zero. Et si, n'hésitez pas aussi à passer en live si jamais vous voulez qu'on fasse des combats ensemble. Ou je pense que je vais faire des concepts avec des Tekashi Budokai ou ce genre de choses sur Twitch. Et qui sera peut-être remis sur YouTube. Hein. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Mais voilà, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Profitez bien et essayez de garder un peu de vie sociale. Sur ce, ciao, ciao.